Une plante, son principal problème, c'est que c'est un système hydraulique. Le risque dans un système hydraulique, c'est de perdre l'étanchéité. Si vous avez un système hydraulique avec une fuite, il ne fonctionne pas. Donc, l'intérêt de la plante, c'est de maintenir l'étanchéité dans son système hydraulique. Donc, elle a mis en place tout un tas de stratèges pour maintenir cette étanchéité et c'est sa première des priorités. Dans la feuille, une feuille que l'on voit ici qui s'est fait attaquer sans doute, je ne sais pas, par de la grêle ou par un insecte, je ne sais pas, on voit des blessures et autour de ces blessures, on voit un espèce de liseré noir. Ce liseré noir, une fois analysé, on le découvre sous forme de mélanine. C'est pour ça que ça s'appelle mélanisation, c'est-à-dire que la mélanine, c'est un tissu qui est constitué par l'oxydation des métabolites secondaires. Alors, l'oxydation des métabolites secondaires, c'est quoi? C'est la sève brute, la sève élaborée, qui est la nutrition de la plante, qu'il va se retrouver au contact de l'air. Si on fait une blessure, la sève élaborée au contact de l'air. Et là, on a oxydation, donc contact avec l'oxygène de l'air. Et ça va transformer cette sève élaborée en d'abord tanin et phénol. Tiens, c'est rigolo, tanin et phénol. Ça vous rappelle rien, ça, tanin et phénol dans le vin? Les tanins et les phénols, qui sont donc les systèmes de défense de la plante, c'est ça que vous cherchez dans votre vin. Ces tanins et ces phénols-là sont re-oxydés plusieurs fois, se transforment en essence. Tiens, les essences aussi, ça nous rappelle les huiles essentielles. Quand on extrait d'une plante les huiles essentielles, on extrait les systèmes de défense de la plante. C'est pour ça que la plupart du temps, ces huiles essentielles, elles sont bactéricides, fongicides, virucides. Vous comprenez? C'est les systèmes de défense de la plante contre les agressions extérieures. Et donc, la plante, là, petit à petit, par oxydation successive, va boucher les trous pour permettre à la circulation de la sève de se refaire. Donc dans la feuille, ça s'appelle la mélanisation. C'est très efficace à partir du moment où on a entrée d'oxygène. Par contre, dans le cas où on se retrouve avec une attaque différente, comme l'attaque d'un champignon sur la feuille, la plante elle a beaucoup plus de mal à ne pas se faire attaquer ou à recréer son étanchéité. Pourquoi? Parce que le champignon, la plupart du temps, ne va pas faire de blessure directe et ne va pas faire entrer d'air dans la plante. Le champignon, il va sécréter des acides qui vont décomposer la matière, la rendre molle, la rendre flasque et elle va pouvoir être dissoute et absorbée par ce champignon-là comme nutrition. Et donc, il n'y a pas d'entrée d'air directement et donc la plante, elle fait ce qu'on appelle une espèce d'abandon cellulaire, elle n'arrive pas à réagir. C'est pour ça que nos plantes, elles ont du mal à réagir contre les champignons, là. C'est vraiment compliqué. Au moins dans leur phase de croissance, elles n'arrivent pas à réagir. C'est la chose qu'arrivent à faire les plantes américaines. Elles ont une capacité à réagir contre ces champignons-là beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce qu'elles ont simplement coévolué avec ces champignons. Hein? Je rappelle le mildiou et l'oïdium. Vous savez quand est-ce que c'est arrivé, mildiou et l'oïdium? Avant le phylloxéra. Un peu avant le phylloxéra. Alors peut-être en même temps, mais en tout cas, ça s'est exprimé très rapidement. C'est arrivé avant le phylloxéra et donc ça a été un drame pour les vignerons, bien plus que le phylloxéra à la base. Imaginez que vous n'avez rien pour lutter contre le mildiou et l'oïdium et que vous avez vos plantes qui se font envahir par le mildiou et l'oïdium. Donc mildiou, on pourrait très facilement penser au patois occitan, l'ancien qui arrive et qui fait « miladiao ». Toutes ces vignes sont marron, complètement bouffées. Et donc ça a été extrêmement dur pour les vignerons parce qu'ils ont perdu beaucoup de plantes. Hein, 3 ans de mildiou successifs, pas de feuilles, et ça meurt. Hein. Ça a été à peu près aussi violent que l'a été la crise phylloxérique. Ça a duré moins longtemps parce qu'on a quand même réussi à trouver en 4, 5, 6 ans là, la bouillie bordelaise qui a permis de commencer à lutter contre ces champignons-là. Manque de bol, juste après... Phylloxéra, crise phylloxérique, enfin, on pourrait refaire l'histoire comme ça, c'est toujours très difficile à interpréter, mais il y a eu plusieurs viols successifs des vignerons avec ce genre de maladie, et puis la manière dont on a géré ces maladies-là, ça a été extrêmement compliqué.
faut imaginer, hein, phylloxera, donc on a des vignes qui sont malades, tout ça. Donc par mesure de précaution, on fait arracher tout le vignoble en France. On subventionne les gens pour arracher. Donc c'est-à-dire qu'on fait disparaître tous nos cépages, tous nos vieux cépages. On les... Bon, on a bien fait un peu de conservation, mais on en a perdu les trois quarts. On arrache tout, on plante des hybrides à la place. Noah, Othello, Herbemont, que l'on a réalisé, qui sont des plantes résistantes au mildiou alloïdium, au phylloxéra, génial. On se retrouve de nouveau à souffler et à pouvoir continuer à être vigneron. Donc on plante ça, en plus de ça, c'est des plantes qui ont des gros rendements, ça ne fait pas du bon vin. Mais tant pis, ça fait de l'alcool, on a du vin, on arrive à continuer à fonctionner. Certains arrivent à faire du vin un peu meilleur que d'autres, quand même, malgré tout. Hein. Mais bon. Et au bout de 30-40 ans, qu'est-ce qui se passe? Resubvention pour arracher les hybrides, voire même, si vous ne les arrachez pas avant telle date, hein, il y a des buvards, là j'en ai trouvé des buvards, un peu de propagande, hein, arracher les hybrides, ces vins ne sont pas à la mode, ça fait du vin mauvais, ça peut rendre fou, on entendait toutes sortes de choses. Et en fait, subvention jusqu'à telle date et amende au-delà, si vous n'arrachez pas vos hybrides. Imaginez le truc, amende au-delà. Et donc, qu'est-ce que font les... Reviol, on rase. Et alors là, il y a des régions viticoles qui n'ont pas supporté, en fait, qui n'ont pas replanté après. Parce qu'après, il fallait avoir le budget nécessaire pour planter pour des porte-greffes américains et greffer des plantes. Donc, il fallait avoir le matériel végétal nécessaire, plus en plus l'argent pour payer ces plantations-là. Et né là, le métier de pépiniériste viticole. Reviol. Mais donc on n'a pas, donc là c'était là mon propos, en fait des fois je mets longtemps à expliquer un truc, c'était là mon propos, c'est que la plante américaine qui elle a coévolué avec le mildiou et l'oïdium se retrouve à pouvoir résister au moins d'une certaine mesure à ce champignon là, alors que notre plante elle, on lui a jamais permis de coévoluer. C'est-à-dire qu'on n'a jamais permis à nos plants européens de devenir résistants au mildiou alloïdium et au phylloxéra, puisque c'est par semis successifs que ces résistances-là se font. Et que la plante, la vigne, elle a un problème, il y a un problème avec la vigne qui fait qu'il y a un brassage génétique tel que quand on sème un pépin, on ne sait jamais ce qu'on va avoir derrière. Et donc pour arriver à refabriquer des cépages résistants, il faudrait semer plusieurs fois de suite en ayant ce contact avec le phylloxéra, le mildiou et l'oïdium, et en plus de ça, finir par resélectionner des nouveaux cépages qui seraient issus de nos plantes. Je ne sais pas si le travail est trop compliqué ou s'il n'a pas été fait, mais aujourd'hui, force est de constater qu'on n'a toujours pas de plan où on peut faire du direct avec nos plants européens. Résistant au mildiou, résistant à l'oïdium et au phylloxéra. On n'a pas travaillé dans ce sens-là, ou alors on n'est pas au courant. Je ne sais pas. La plante, dans ses feuilles, il faut qu'elle crée l'étanchéité, mais dans son bois aussi. Et surtout dans son bois, puisque c'est dans le bois que circulent les sèves brutes et élaborées. Une plante, donc, c'est un tuyau sous tension. Sous tension parce que l'évapotranspiration, donc les feuilles, ont des stomates. Donc si on regarde la feuille, elle a des stomates en dessous. Donc ce sont des petites portes qui s'ouvrent et qui se ferment, qui laissent s'évaporer l'eau tout en gardant les minéraux. Ces stomates-là perdent de l'eau et en perdant de l'eau, elles créent en quelque part, par évapotranspiration et par succession de pertes d'eau, une aspiration dans la plante sous forme de tension. La tension, c'est la pression à l'envers, c'est la pression négative. C'est l'aspiration dans la paille, la tension, vous comprenez ? Donc la pression, vous soufflez dans la paille, la tension, vous aspirez. Donc c'est une pression négative. Cette pression négative aspire dans la plante l'eau, les sels minéraux dans le sol. Elle peut aller très très loin cette tension. Vous voyez bien que vos plantes, elles sont capables d'aspirer de l'eau dans le sol quand vous n'en voyez plus. Le sol n'est que poussière, vous ramassez le sol comme ça, vous voyez, il n'y a plus rien. Et la plante, elle est quand même encore capable de pomper de l'eau puisqu'elle est encore vivante. La limite, on pense, de la vigne, c'est moins 25 bars de tension. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Moi, ça m'a scié aussi. Hein. Moins 25 bars de tension. Quand j'ai été à l'INRA à Clermont-Ferrand, c'est à Clermont-Ferrand qui travaille sur l'eau dans la plante, on a regardé dans un noyer, c'était au mois d'avril, il faisait très sec et il n'avait pas plu depuis longtemps, on a regardé dans un noyer
et on avait moins 30 bars de tension pour absorber l'eau dans le sol. 30 kg au centimètre carré. Un pneu de tracteur ne tient pas. On ne peut pas mettre 30 bars de pression dans un pneu de tracteur. Donc vous imaginez la tension que ça induit. C'est énorme, énorme. Donc quand je dis tension, on a mesuré, alors c'est un système avec un espèce de bocal. Sur ce bocal là, on a un gros couvercle, faut imaginer avec un pas de vis super solide, étanche, et avec au milieu un espèce de caoutchouc, pareil, et une vis sur laquelle on peut serrer un organe végétal. On laisse dépasser le pétiole et à l'intérieur, on a notre feuille. Et puis ici, on a une pompe. Et avec cette pompe, on met la pression nécessaire. On regarde ici avec une loupe jusqu'à ce qu'on voit perler légèrement une goutte d'eau en surface. Donc on pompe, on pompe, on pompe, on pompe, pompe, en quelque part, on presse la feuille, on presse la feuille, on presse la feuille, jusqu'à ce que l'eau se retrouve de nouveau au niveau de la sortie ici. Et donc, à partir du moment où l'eau se retrouve liquide et au niveau de la sortie, on connaît la pression, donc négative, qu'il y avait à l'intérieur de la plante, cette tension. C'est extraordinaire. Ils ont mesuré 120 bars de tension dans un buis. Le record, c'est plus de 200 bars dans un genévrier, dans un désert aux États-Unis. C'est débile. 200 bars, c'est complètement malade. Ils pensent que, enfin, en fait, scientifiquement, la limite, c'est 250 bars. Au-delà de 250 bars, il y a une limite physique qui fait que ça ne peut plus fonctionner, ce système-là. Il faut imaginer que ce système-là est capable de monter l'eau à plus d'un kilomètre de haut. Donc, c'est pas l'évaporation qui est la limite à l'élévation sans fin des arbres. Hein, les plus grands arbres qu'il y a eu sur la planète, on pense autour de 160 mètres des eucalyptus en Australie, autour de 160 mètres. Mais en fait, ça aurait pu continuer. Si ça avait continué, c'était pas limité par l'aspiration de la sève, en fait. C'était un autre phénomène. Donc, dans la plante, il faut continuer à créer cette étanchéité, puisque si on a une tension telle, vous imaginez que la moindre entrée d'air, elle est fatale. Si vous avez ne serait-ce que 5 bars de tension d'aspiration et que vous donnez un petit coup, vous avez de l'air qui rentre de manière extrêmement violente dans la plante. Donc pour créer cette étanchéité et pour limiter la propagation de l'air dans la plante et surtout finalement aussi des champignons, hein, puisque si on a une plante qui est ouverte ou des vaisseaux qui sont cassés, les champignons peuvent rentrer à l'intérieur, progresser et décomposer le bois. La plante, elle a coévolué et fabriqué dans son bois un système qui permet de limiter la propagation et la dégradation des matières par des champignons. On a trois parois, le tillage des vaisseaux, la densité du bois terminal et le rayon médulaire, que l'on va redétailler ici pour comprendre de quoi il s'agit. Ce phénomène de compartimentation a été découvert et étudié par un Américain qui s'appelle Alex Chaigo, un Américain qui, dans les années 70 et 80, a découpé des milliers et des milliers de plantes pour essayer des plantes attaquées par des champignons pour essayer de comprendre comment la plante pouvait se défendre contre l'agression de ces champignons et comment la plante arrivait à garder suffisamment de bois, donc un arbre suffisamment de bois pour tenir debout en quelque part. Si je regarde la vigne, donc j'ai la moelle à l'intérieur et puis après on va se retrouver avec une alternance de gros vaisseaux et puis des petits vaisseaux. Et puis de nouveau des gros vaisseaux, et puis des petits vaisseaux. Donc là, c'est circulaire comme ça, vous l'imaginez. Est-ce qu'on les voit là? Je crois que oui. On voit qu'il y a les gros vaisseaux qui s'arrêtent, les petits vaisseaux, on les voit pas, ils sont trop petits. Puis de nouveau, il y a les gros vaisseaux qui repartent. Refaites tourner, regardez. C'est pas la fête des réserves. C'est pas la fête des réserves. Je sais pas, on va regarder dans le. On voit une différence de couleur. Tu vois une différence? Ouais, il y a une densité, c'est un peu plus vert foncé. Il y a plus de petits points noirs.
Après, les vaisseaux, on ne doit pas les voir parce qu'ils sont tellement petits, les vaisseaux du bois terminal. Je veux juste, je remets un peu de, d'eau iodée là sur l'uni blanc, là, voir si il en a lui aussi ou pas. Mais c'est une année complexe, hein. On a gelé, hein. On en reparlera. Donc on a ce fonctionnement-là avec des gros vaisseaux, puis après des petits vaisseaux. Alors des gros et des petits vaisseaux, pourquoi? Parce qu'au printemps, la plante, quand elle pousse, elle va avoir besoin de beaucoup de sève, se développer, et donc elle va construire des vaisseaux qui amènent beaucoup de sève. Et puis arrive l'aoûtement et la véraison, là, donc la deuxième partie de la végétation, qui est une phase de concentration. Donc elle pousse et elle s'arrête de pousser, et là elle transforme tous ses tissus en bois, en quelque chose de dense pour pouvoir arriver à passer l'hiver. Et cette phase de concentration là, elle n'a pas besoin de faire des gros vaisseaux, elle n'a pas besoin d'une quantité de sève importante. Ce qu'elle a besoin, c'est plutôt des tanins et des phénols, et donc elle va changer de type de substance qu'elle fabrique, et ça va produire des vaisseaux beaucoup plus petits et beaucoup plus compacts. Imaginez que vous êtes un champignon, forcément, si vous arrivez à dégrader la plante, vous dégradez plus facilement la zone où c'est gros et espacé et juste chargé d'acide, alors que là, quand vous allez arriver ici, vous allez vous retrouver confronté à des vaisseaux beaucoup plus denses et beaucoup plus compacts et probablement plus indigestes parce que chargés de tanins et phénol. Toute cette partie-là. Donc, ça freine la propagation des champignons dans ce sens-là. Et ça, c'est le 2, c'est la densité du bois terminal, hein. En 1, on a le tillage des vaisseaux. Le tillage des vaisseaux, si on regarde ces tubes-là, ce sont des tubes qui sont côte à côte. Je vais les dessiner plus gros ici. On a des tubes connectés de tube à tube par des espèces de parois. Qui ont cette forme là schématiquement. Imaginez que vous avez des tubes là avec une tension -3 bar -3 bar qui fait que on a circulation de la sève à l'intérieur de vaisseau en vaisseau, d'abord verticalement mais aussi de manière plus lente, transitoire, d'un vaisseau à l'autre horizontalement. Donc c'est un phénomène physique de circulation d'eau. L'eau va pas faire ça puisqu'elle est pompée par ici là, hein. Donc si elle doit partir sur un axe ici, elle va le faire progressivement comme ça. Elle peut pas changer de vaisseau horizontalement. Elle est aspirée, d'accord. Donc il y a une possibilité de changer de vaisseau, mais majoritairement c'est vertical. Si tout d'un coup, on a une entrée d'air dans un de ces vaisseaux. Imaginez qu'ici, on a ce vaisseau-là qui se retrouve ouvert sur l'extérieur. De -3 bar, on va passer à la pression atmosphérique ambiante, 1 bar. Et là, tout d'un coup, toutes ces petites parois de ce vaisseau vont se retrouver plaquées ici pour recréer l'étanchéité de ce vaisseau ici. Vous allez avoir -3 bar ici et 1 bar ici, donc ça va plaquer ces petites parois à chaque fois sur les sorties. Ça va recréer l'étanchéité qui va permettre à la sève de recirculer pendant un petit moment dans cette partie-là. Si vous êtes un champignon et que vous arrivez là, forcément, vous arrivez à rentrer ici, et quand vous arrivez ici, la porte est fermée, ben, il va falloir que vous passiez du temps à dégrader cette porte-là pour pouvoir rentrer dans le vaisseau d'à côté. D'accord ? Donc ça freine un peu la propagation des champignons dans ce sens-là, dans le bois. Et vous avez la troisième paroi qu'est les rayons médullaires. Ces rayons médullaires-là, c'est les rayons que vous voyez dans la plante, là, que vous voyez très très bien, qui sont le siège de ces stockages des réserves. Ces sièges de stockage des réserves-là, sous forme d'amidon, ces espèces de grosses plaques-là, que l'on voit en trois, ces espèces de grosses plaques, constituées d'amidon, sont indigestes pour les champignons. L'amidon, c'est indigeste pour qui ne fait pas l'amylase si la plante n'a pas fait l'hydrolyse, évidemment. Mais donc, ces plaques-là sont extrêmement difficiles à dégrader par les champignons. Ça freine la propagation des champignons dans cet axe-là.
Ce sont trois parois qui sont physico-chimiques passives. Vous voyez que c'est plutôt la manière dont est constitué le bois qui fait que ça résiste, mais pas intrinsèquement le bois lui-même. Si on a un champignon, donc, qui rentre là-dedans, il va être freiné et on va pouvoir détailler ça sous forme d'un espèce de compartiment. C'est pour ça qu'il a appelé ça compartimentation. Si je regarde dans ces trois dimensions-là, j'ai cette dimension-là qui est limitée, celle-là qui est limitée et celle-là qui est limitée. Et c'est pour ça qu'il a appelé ça compartimentation, Alex Chaigo. Alex Chaigo a trouvé ça a sorti ses études en 82 ou 84 aux États-Unis. Donc avant que ça arrive en Europe, imaginez que ça prend quelques années. Une fois que ça arrive en Europe, il faut qu'il y ait un scientifique qui s'intéresse à cette notion-là et qui a envie de la divulguer aux praticiens. Hein ? Quel intérêt ? On ne sait pas. Je veux dire, on fait des études, on cherche à comprendre comment ça fonctionne, mais après, de là à l'appliquer, eux, ils n'y sont pas dehors, ils ne taillent pas. Hein ? Donc, ils ne voient pas quel intérêt ça peut avoir. Il faut qu'il y ait des gens comme ce William Moore, là, l'anglais qui fait ces formations-là, pour utiliser ces informations et les redonner aux praticiens, chose que je fais moi aujourd'hui. C'est-à-dire s'approprier les connaissances scientifiques pour essayer de les appliquer et essayer de les utiliser à l'application. Donc ça, c'est arrivé que dans les années 90, uniquement dans le milieu des arboristes. Et donc forcément, ça a mis du temps à sortir du milieu des arboristes et il a fallu qu'un ingénieur viticole aille faire une formation chez les arboristes pour que ça puisse de nouveau revenir et être utilisé. Aujourd'hui, même les Italiens Simonite & Search parlent de ça dans leur formation. Il faut comprendre que à chaque fois qu'on va faire une plaie, cette plante-là, la plante, elle va devoir recréer une étanchéité. Pourquoi ? Parce que ici, si je fais une plaie de ce genre-là avec un sarment qui part ici. Bon, vous me direz, la plupart du temps, on laisse un chicot. Mais vous verrez que peu importe. On a tous ces vaisseaux là, ici, quand on fait la plaie, qui débouchaient de manière conique. Je pourrais le redessiner de manière schématique. Ils débouchaient tous sur le bourgeon le plus loin. D'accord ? Ils convergeaient tous vers le bourgeon le plus loin. Ces vaisseaux là, quand on coupe ici, se retrouvent à ne déboucher sur rien. Donc la plante, elle ne peut pas continuer à les conserver. Elle ne les conserve pas puisqu'ils ne débouchent sur rien. Et il faut qu'elle recrée l'étanchéité pour quand même pouvoir supporter la tension qu'il y a ici, qui est de moins 3 bars d'évapotranspiration. Ah ah ! Moins 3 bars d'évapotranspiration ici. Et en fait, un sarment qui est né l'année dernière d'une couche qui correspond à une couche superficielle, la croissance de 1 an l'année dernière. Hein, on pourrait la faire ici. Croissance de 1 an l'année dernière. Et donc, la sève, pour alimenter cette partie-là, circule dans la pousse de 1 an. Dans la pousse de 1 an, voilà, pour aller alimenter la sortie ici. Et comme on fait une coupe ici, tous ces vaisseaux ne débouchent sur rien. La plante ayant besoin de recréer l'étanchéité va se retrouver avec un cambium qui était ici complètement à nu. Le cambium, la partie vivante, il est à nu, il est à l'air. Et donc du coup, son seul moyen de fonctionner, c'est d'être étanche. Donc il va abandonner complètement tout ce qu'il a fabriqué avant. Il va rester vivant uniquement là où il est stimulé. Donc rappelez-vous que la circulation de la sève, elle peut se faire éventuellement comme ça, mais elle ne peut en aucun cas monter ici et revenir là, puisqu'en fait c'est un circuit hydraulique. Donc elle va abandonner complètement tout ce qu'elle a fait avant et se concentrer plus que sur la croissance successive des années suivantes. Et donc on va avoir une croissance qui va se faire avec des nouveaux vaisseaux qui vont se créer autour, ici aussi également. Et tout le bois qu'elle avait fabriqué à l'époque va se retrouver abandonné, puisque non fonctionnel, laissé en pâture aux champignons, à la dégradation des matières organiques finalement, du bois mort en quelque part. Cette paroi chimique là, cette paroi 4, elle a été faite par le cambium au moment de la plaie. Au moment où on a fait cette coupe là, le cambium fait une paroi chimique interne qu'on arrivera à observer sur les plantes pour protéger son bois nouvellement formé de manière hydraulique, de son bois anciennement formé.
Cette paroi chimique est constituée de tanins et de phénol et coûte très très cher à la plante à fabriquer. Elle est obligée d'utiliser, de puiser dans ses réserves pour fabriquer ses défenses-là et refabriquer son étanchéité. Ça vous fait réagir ou pas? C'est intéressant parce que petit à petit on se dit « Ah mais oui, mais bon, des coupes d'un diamètre un peu important, j'en fais plein. » Regardons comment ça peut se passer dans une plante. Sur cette plante-là, vous voyez ici la coupe qui a été faite. Ici, il y a eu une plaie. Hein, et c'est une taille à côte, hein, donc c'est comme un espèce de cordon. Et on aperçoit qu'au même niveau que la coupe, on a un espèce de trait noir ici qui continue. Ce trait noir, c'est cette paroi physico-chimique là, fabriquée par le cambium. Donc ce sont des tanins qui là ont changé de couleur parce qu'ils ont été oxydés, ils ont été en contact avec l'air. On a ouvert des vaisseaux et ces vaisseaux, l'air est rentré dedans et donc tous les tanins contenus dans ces vaisseaux se sont oxydés, sont devenus noirs. De ce côté-là, on n'a pas eu de tanins, mais on voit qu'il y a une zone plus claire ici, une zone plus foncée. C'est gris à l'intérieur et plus clair à l'extérieur. Et donc la paroi physico-chimique là doit être présente, mais peut-être on en voit un peu d'air ici, mais on ne la voit pas parce qu'elle n'a pas été encore oxydée. Et puis, on a une croissance successive de plusieurs coursons. C'est-à-dire qu'on avait cette coupe qui a été faite ici. Et puis, on a refait un cote ici, puis un deuxième cote, puis un troisième cote. Si on regardait de très proche cette partie-là, on verrait qu'on a 3 ans de croissance. Ces 3 ans de croissance-là correspondent à ces 3 cotes. Et donc, tout le bois qui est à l'intérieur de cette ligne-là et cette ligne-là, est inopérant pour la plante. Donc tout l'intérieur là est laissé en pâture et à d'éventuels champignons dégradeurs de matière organique qui sont là simplement pour agrader les sols. Qu'on va pouvoir appeler l'ESCA hein, souvent. Vous allez voir, mais l'ESCA c'est plus un comportement, un problème qu'il y a dans la plante, le fait que la plante meurt d'un coup. Pourquoi elle meurt d'un coup? On va finir par l'aborder. Là, sur cette diapo-là, ce que l'on voit, c'est qu'on a, une espèce de compartimentation et on voit clairement que c'est les rayons médullaires qui ralentissent la propagation d'un champignon. Hein. On a compartimentation par les rayons médullaires. Cette diapo-là, elle est un peu plus violente. C'est un cep, c'est des prêts à Pomerol. C'est un cep qui a été coupé, recoupé ici, parce que trop haut par rapport au fil. Souvent, vous voyez comment ça fait, ça monte, ça monte, ça monte, et on se retrouve au-dessus du fil de pliage. Et là, ils ont décidé de recéper, de redescendre sous le fil pour repartir et reformer des bras. Au moment où on a fait cette coupe-là, le cep, il avait exactement la forme de ce que vous voyez en noir. Tous les bois formés après sont les bois qui sont après cette ligne-là. D'accord? Si on regardait de près cette ligne-là, on s'apercevrait que... Je ne sais pas si je peux zoomer. Non, je ne peux pas. Si. On s'aperçoit ici que l'on a un trait noir hein, tout le long. Est-ce qu'on voit la main? Non. On a un trait noir ici tout le long. Vous voyez le trait noir là? Et on voit que dessous le trait noir, on a même un champignon qui a commencé à dégrader la matière. Ici, c'est un peu pourri, on le voit. Hein. On commence même à avoir un petit jour entre les deux. Mais en fait, tout le bois formé après est parfaitement sain et parfaitement compartimenté. A parfaitement compartimenté. Tout le bois formé après la plaie, c'est le bois clair. Tout le bois formé avant la plaie, c'est le bois qui est noir et laissé en pâture aux champignons. Il n'y a pas nécessairement des champignons dans tout le bois noir. Hein. Le bois noir, il est noir parce qu'il a été oxydé au contact avec l'air et qu'il a changé de couleur. Et ça s'arrête jusqu'à la greffe. Et là, vous voyez, c'est allé jusqu'à la greffe. C'est allé jusqu'à la greffe parce que là, imaginez que quand vous avez monté votre pied, vous l'avez monté avec un seul sarment direct. Comprenez? C'est un sarment que vous avez redressé, que vous avez monté et vous êtes parti sur 2 bois latéraux. Donc quand vous avez fait ça, vous avez un flux de sève direct avec des vaisseaux qui sont directs. Mais comprenez bien que petit à petit, même si
vous aviez eu plusieurs bifurcations, vous finissez par avoir des vaisseaux qui sont directs du système racinaire jusqu'au bourgeon. Donc, à chaque fois que vous allez faire une plaie sur du bois de plus de 3 ans, vous avez un risque que ces pourritures-là redescendent à l'intérieur jusqu'à quasiment la greffe, quoi. La plupart du temps, la greffe limite. Hein, la... Souvent, il n'y a rien sur la... Souvent, la greffe est un peu abîmée, mais sous la greffe, c'est propre. C'est ce qui nous permet des fois de regreffer d'ailleurs. Cette plante-là, elle est éloquente aussi. Là, on est sur un espèce de guyot simple. Vous voyez les guyots que l'on dit en forme de tête de chat, là, où on refuse absolument l'allongement et on est dans un espèce de poké, là, où tous les ans, il nous sort une baguette que l'on utilise pour faire notre fructification. Donc, ça veut dire que tous les ans, on va supprimer la baguette. J'attire votre attention, il y a une coupe ici, il y a une coupe ici, il y a une coupe ici, il y a une coupe ici. Si je regarde d'un peu plus près, est-ce que je vois les compartimentations? Je vois les compartimentations, je vois même les successions de compartimentations. Une première, une seconde, une troisième et une quatrième. On l'a de l'autre côté aussi, hein, vous les voyez là, les traits successifs. Donc à chaque fois que la plante repère, à chaque fois que de nouveau de l'air rentre, la plante réabandonne ce qu'elle a fait avant, recompartimente et ne fait que du bois par-dessus après. C'est violent de voir ça. Hein. Je ne sais pas comment vous le vivez, vous, mais du coup, regardez ici, par exemple, ce cèpe-là, il est pas mal. Parce qu'en fait, on voit qu'il y a eu des blessures ici. D'ailleurs, ici, on a presque la sensation d'avoir un piqué, quoi, on se demande. Et en fait, il est complètement en train de se décomposer, en train de se dessécher à l'intérieur. On voit que tous ces vaisseaux-là ont été desséchés complètement et que ici, c'est encore blanc. C'est inefficace, on peut pas, c'est inutilisable pour la plante, mais c'est encore blanc parce que les vaisseaux sont encore pleins d'eau et donc ils ne se sont pas déshydratés, donc ils n'ont pas changé de couleur. Mais si on regardait d'un peu plus près, on verrait, comme ici en bas à gauche, le trait là qui correspond à la forme de ce cèpe là. On a aussi de la mortalité là sur le dessus qui correspond à l'enlèvement des baguettes tous les ans. Mais par contre, on n'est jamais revenu en amont. C'est-à-dire que tous les ans, on a accepté de faire côte sur 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 côte en faisant toutes nos plaies sur le dessus. Et donc, on a continué à augmenter la taille des vaisseaux vivants et la proportion de vaisseaux vivants par rapport à la proportion de vaisseaux morts. En faisant ça, le gros intérêt qu'on a, c'est que la plante va stocker ou elle va être en capacité tous les ans de stocker davantage de réserves, puisqu'elle a toujours, tous les ans, davantage de bois et donc tous les ans davantage de capacité à récupérer de l'énergie et à la stocker dans ses réserves.